Uhara. Uhara. So it has a name. Les deux personnes qui m'ont pris en stop ont interrogé le cuisinier, qui leur a dit que c'était un endroit où personne ne vivait. C'était des maisons de vacances. Je vais voir. OK. OK. Long time. Kamate. Je marche depuis 30 minutes et je rencontre ces traces sur le sol. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. En fait, j'ai réfléchi et je me suis rappelé de Milan et Louis qui me racontaient que lors de leur voyage au Japon, ils avaient vu un ours. Là, je l'imagine apparaître du virage. C'est à ça que servent les miroirs d'ailleurs, à chaque virage, pour voir s'il n'y a pas un ours qui va surgir. Regardez. Il me reste encore beaucoup de route. Plus qu'une ligne droite. Plus que 500 mètres. Attention à l'ours. Et le bûcheron qui porte des troncs d'arbres, c'est un cul-de-sac, méfiez-vous. Ici, j'ai trouvé ce plan. Il était en double, alors je me suis permis d'en prendre un. Ohara est une petite ville de vacances qui compte une dizaine de maisons. Et je refais la marche que j'ai fait hier en sens inverse.
y a quelqu'un qui est venu. Je sais pas si c'est pour me chercher, parce qu'il y avait deux travailleurs qui coupaient les arbres au début du chemin hier, qui m'ont dit que je pouvais pas aller bien là, et peut-être qu'ils m'ont pas vu revenir, et donc ils ont envoyé quelqu'un à ma recherche. Et là, je vois des traces qui s'arrêtent, je sais pas pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas continué ?